Bonjour à tous nos téléspectateurs, bienvenue sur Al Ahli Online TV pour un bulletin en langue française diffusé à partir du stade Al Ahli. Oui, Salem. Sarah Hamouda est avec vous et je vous accompagnerai tout au long de ce journal hebdomadaire qui résume l'actualité sportive de la semaine. Commençons par le titre suivant. Coupe d'Égypte. Al Ahli en 8e de finale. Mossé Mané accorde aux joueurs un repos de 3 jours. Basketball masculin. Al Ahli remporte le tournoi de la région du Caire. Al Ahli a battu son rival El Reba avec un score de 7-0. L'équipe d'Al Ahli a été qualifiée pour la 8e de finale après avoir battu son rival MP sur le score 1-0 lors du match tenu ce soir en Coupe d'Égypte au stade d'Alexandrie. Le but de la victoire a été marqué par l'attaquant Salah Mohsen à la 63e minute de la deuxième mi-temps. L'entraîneur sud-africain Pitso Mosemane a accordé un repos de 3 jours aux joueurs et les entraînements reprendront dimanche. La séance d'entraînement a duré seulement 45 minutes selon les instructions de l'entraîneur Mosemane. L'équipe masculine de basketball de l'Ahli a remporté le tournoi de la région du Caire après avoir battu son rival El Gezira sur le score 76-55 lors du match tenu ce soir au stade international du Caire. El Ahli a battu son rival El Reba avec un score de 7-0 dans un match amical qui s'est tenu sur le stade du Tetch. Afin d'être préparé à affronter son rival l'Union sportive USGN du Niger dans le cadre du 32e tour de la Ligue des champions de la CAF. Nous souhaitons bonne chance et réussite à l'équipe de l'Ahli dans son prochain match. Mesdames et messieurs, nous arrivons là au terme de ce bulletin pour cette semaine. Je vous souhaite une bonne après-midi en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour d'autres nouvelles sportives. Look at him, 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 look at him.